Disons qu'avant, on avait un modèle qui était celui de, par exemple, qui a été celui de développé dans le mouvement, dans les mouvements antilibéraux, avec attaques, etc., d'experts qui en fait faisaient des formations à des militants. Voilà, c'est le modèle par exemple d'attaque. Aujourd'hui, ce qui me surprend moi personnellement, c'est l'utilisation par les militants, un certain nombre de jeunes militants, de notions qui sont issues directement du monde académique, alors qu'avant, il y avait moins ces références théoriques qu'on pouvait trouver à une certaine époque avec le marxisme. Aujourd'hui, il y a des mots qui sont quand même assez, comme le terme que j'ai... qu'on entend beaucoup d'intersectionnalité, qui viennent directement du monde académique, qui sont beaucoup repris par les jeunes militants. Ce qui n'était pas le cas dans les années, on va dire, les grandes années de la terre de mondialisme.